Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau dont on va vous réveiller. Un sujet aujourd'hui qu'on n'évoque pas souvent dans cette émission puisque nous allons parler de danse et plus particulièrement de danse contemporaine si l'on peut dire, avec deux spectacles qui sont montés par la compagnie Art Attack, deux spectacles qui vont être joués en Colombie. Alors c'est vrai que l'événement est assez important pour être signalé. On aura donc quatre invités sur le plateau. Je vous présenterai les deux autres en deuxième partie. On va commencer avec Fabio Prieto Bonilla. C'est bon, je ne me suis pas trompé. Non. Et Rudolf Pignon, c'est plus simple en face. Alors vous êtes vous donc le chorégraphe, on va dire. Vous êtes aussi danseur de ce spectacle qu'on appelle Transit. Alors c'est un spectacle mêlant danse et aussi un petit peu de comédien. Et vous donc Rudolf, vous participez donc à cette fête sur scène, donc autour de ce spectacle Transit. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce spectacle avant qu'on en voie un extrait? Transit, c'est le voyage, c'est la rencontre de personnages dans la salle d'attente d'un aéroport. Moi, on s'inspire un peu de nos vécus. Moi, je me suis inspiré un peu de mon départ du pays, la raison pour laquelle j'ai quitté le pays aussi. Alors, je l'exprime dans cette pièce parce qu'il y a un texte. En fait, ça s'écoule entre le texte et le théâtre, et la danse, oui, bien sûr, le théâtre. Et alors, voilà, c'est un peu les motivations pour lesquelles j'ai quitté le pays et aussi, on s'inspire un peu sur l'attente juste avant prendre l'avion pour venir en France. C'est ça, en gros, c'est ça. Et mon personnage, c'est un artiste itinérant qui rencontre un personnage que c'est un pâtissier industriel, en fait. Voilà. Deux personnes qui n'ont pas vraiment grand-chose à voir à la base, mais qui vont, pour le moment, en tout cas, danser pour le moment du spectacle. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder un extrait. On se retrouve juste après. Je me tournerai vers vous, Rudolf, pour savoir un petit peu comment travaille l'animal et comment aussi vous avez adapté votre art à ce spectacle. On regarde et on retourne sur le plateau dont on va vous réveiller dans une petite minute. Voilà, donc on a vu un extrait de ce spectacle donc, qui s'appelle Transit, donc a priori dans un hall d'aéroport. Je crois d'ailleurs que dans les images, on reconnaît plus ou moins l'aéroport qui vous a aidé pour filmer ce qu'on voit dans les écrans derrière. Alors, Rudolf, bon, c'est un spectacle qui est né donc, dans la tête de Fabio, mais vous, comment vous l'avez perçu ce spectacle? Et c'est vrai que c'est pas vraiment un spectacle de danse, c'est pas vraiment une pièce de théâtre, c'est un peu tout en même temps. J'imagine que pour vous, ça a dû être un travail assez important d'adaptation en tout cas. Oui, mais ça a été bon. C'est quand même c'est un domaine difficile, mais dans l'ensemble, c'était relativement facile parce que nous, on vient du conservatoire, donc on était élèves ensemble, donc on a eu un peu la même envie. C'est plus une collaboration où on se disait que le théâtre et la danse, c'est deux disciplines qu'on pratique. On avait envie de fusionner les deux et de creuser notre recherche dans un domaine qui serait ni théâtre ni danse, mais qui serait vraiment une symbiose des deux. Donc ça, c'est assez difficile à mettre en place. Pour l'instant, dans le spectacle, on a des séquences qui sont très danses et des séquences qui sont complètement théâtre. Donc on a du dialogue, des personnages, donc il y a des parties où c'est vraiment, ça pourrait être une pièce de théâtre, il y a des parties, c'est vraiment de la danse contemporaine. Et après, il y a un mélange de ça également, où on essaye d'élaborer, ni théâtre ni danse, c'est difficile à expliquer. Et puis aussi,
Généralement, on nous dit il faut être soit théâtre, soit danse. Enfin, il faut choisir dans quelle case on appartient. Ouais, c'est là, quel intérêt de la pièce, voilà, justement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de case. Ouais, le but, c'est vraiment de fusionner les deux. Alors, avant qu'on continue, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu aussi ce projet que vous avez ? Alors, vous allez jouer pendant un long moment en Colombie. Donc, ça aussi, c'est quelque chose, c'est une belle aventure. Alors, il y en a qui vont découvrir la Colombie, peut-être, d'autres qui vont moins la découvrir. Donc, comment ça vous a pris, finalement, de tisser, en fait, des liens entre la Colombie et ici ? Parce qu'il y a un véritable échange, hein. C'est pas juste histoire de se payer des vacances pendant un mois en Colombie. Il y a un vrai échange culturel qui est prévu avec les Colombiens. Oui, en fait, moi, de toute façon, je suis Colombien, je viens de Bogota, c'est ma ville. J'ai fait l'école de théâtre l'école la plus représentative du pays, ouais, par rapport à la formation des comédiens. Et j'ai maintenu toujours le contact avec cette école. Cette école possède deux théâtres importants, un théâtre national et un petit théâtre, une salle plus petite. Et moi, j'ai toujours maintenu mes contacts avec mes profs, le Théâtre Libre, que c'est là-bas où on va se représenter. Et voilà, quand on a créé la compagnie, il fallait chercher des endroits pour se produire. Et le Théâtre Libre nous a ouvert les portes. Et on va se produire du 1er juillet au 17. C'est jeudi, vendredi et samedi. C'est 3 week-ends à le Théâtre Libre, dans la petite salle. En fait, c'est une salle avec 300 places. C'est quand même bien. Oui. Et après, par ailleurs, on a trouvé une tournée dans le pays avec l'Alliance française. Voilà. On va tourner dans 5 villes du pays. Ça, c'est important pour nous. Et finalement, on danse aussi dans un festival de danse contemporaine à Cali. C'est une ville du pays. Je connais pas trop la géographie de la Colombie. Bogota, oui, mais bon, après Cali, ça devient trop compliqué. En fait, Cali, c'est plutôt la ville de la danse en Colombie. C'est quand même important aussi d'aller là-bas. Oui. Alors, avant de vous redonner la parole, je vais me tourner vers Rudolf parce que j'aimerais savoir, vous, ce que ça va vous faire, finalement, d'aller danser avec votre spectacle là-bas. Mais Rudolf, vous êtes déjà allé en Colombie, vous, ou pas ? Non. Donc ça va être la première fois. Est-ce qu'il y a une appréhension particulière et qu'est-ce que vous espérez en retirer de cette expérience, à part du bronzage ? Ah, ben non. L'intérêt, ça va être de découvrir la réaction du public par rapport à notre spectacle et aussi de voir les spectacles qui sont produits là-bas et pas de comparer, mais disons d'échanger, de voir un petit peu qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'on travaille comme domaine, qu'est-ce que peuvent nous apporter certains spectacles qu'on va découvrir et qu'est-ce que nous, on peut avoir de plus que ceux qui sont là-bas. Voilà, ça va être l'échange. D'un point de vue artistique. C'est ça qu'il dit, c'est important de voir comment le public il perçoit notre spectacle. Surtout que vous, c'est des gens, c'est vos frères, vous êtes de là-bas, ils ont la même culture que vous. J'imagine que pour vous, en plus, il y a le côté émotionnel qui va jouer. Bien sûr, c'est un peu. Peut-être la famille qui viendra vous voir aussi. Oui, bien sûr, c'est évident, mais je pense qu'on est sur le plan de. C'est nous qui avons créé cette pièce, alors c'est un peu différent que si on jouait une pièce déjà existante. Comme c'est une création, alors, c'est ça aussi pour nous comme artistes, c'est-à-dire comme le public va percevoir ce spectacle. Ça vient de nous vraiment, tout le texte, la musique, c'est vraiment une création. Alors c'est ça qui nous fait un peu, qui nous titille un peu, comment dire. Et puis dans le spectacle, dans Transit, on donne, comme il l'a dit Fabio, notre expérience personnelle. Et donc on a voulu retirer de ça le fait que Fabio, dans le spectacle Transit, il sera un artiste. Un voyageur itinérant qui se produit, et donc il est complètement décalé, son univers, par rapport au mien, qui suis pâtissier industriel. Et donc voilà, on essaye de mettre un peu de l'ironie aussi là-dedans, de voir quelles sont les réactions en fonction d'univers qui se rencontrent et qui sont totalement différents, et de voir un petit peu quelles choses on peut en tirer. Est-ce qu'on peut avoir du respect ou est-ce que ça peut amener peut-être la violence? Voilà, on travaille un peu tout ça. Alors, en deuxième partie, on vous présentera le deuxième spectacle que vous allez jouer là-bas avec les protagonistes. Donc, ce spectacle s'appelle Pensée fragile, sans raconter, puisque c'est eux qui le feront. Quel est le regard que vous portez, vous, sur cette pièce-là? Et quelle est la différence dans l'interprétation, dans l'histoire, par rapport à ce que vous allez jouer? C'est autre chose? Oui, c'est différent parce qu'en fait, dans le texte qu'on a écrit pour ton site, c'est fait à peu près une critique de la société actuelle dans laquelle on est, on trouve que la Terre, elle est surpeuplée.
On fait des genres, c'est ce genre des critiques, mais pas en France, mais en général, trop, je trouve, non, trop d'humains. Alors on écrit comme ça, le personnage dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire avec la main d'œuvre chinoise, la, je sais pas, la pollution, je sais pas quoi, c'est ce genre de choses qu'on parle dans la pièce. Sauf qu'on prend les choses un peu comme décontractées, d'une manière décontractée, pour ne pas être, comment dire, en critique totale, que ce soit pas un spectacle. Dans les mouvements, c'est quelque chose de très limite absurde, des fois, c'est très spontané. Voilà, c'est physique. Et on essaie d'aller vers l'humour, mais bon, on verra après si le public. Oui, le but, c'était pas de tomber dans un domaine précis. Donc, c'est pas un spectacle ni drôle, ni tragique. Ouais, c'est pareil, il y a des variations. Ouais. Hein, des fois, c'est tragique, des fois, c'est drôle. Et donc, Pensée fragile. Et Pensée fragile, il a une touche plus grave par rapport à ça. Et il y a, bon, on essaie de trouver que ce soit. Dont, en général, que ce ne soit pas tout grave, mais de toute façon, c'est. Plus ça, comment dire, c'est plus lourd. Il a une atmosphère voilà, plus lourde. Parce que et vous allez jouer les spectacles les mêmes jours, l'un après l'autre comment ça se passe? On va jouer les spectacles. Alors, dans quel ordre? On va donner Pensée fragile, après on pense faire un entracte et donner Transit. Ouais, voilà. Et Pensée fragile, c'est plus court, ça fait un peu plus de 35 minutes. En fait, on a créé 20 minutes. Mais on n'a pas fait évoluer la pièce. Là, on est en train de la développer un peu plus. C'est pour ça que Rudolf est rentré pour créer un nouveau personnage dans la pièce et pouvoir élargir cette pièce. Et on est en période de création, en fait, avec cette pièce. Transit est déjà créé, ça dure une heure. Et voilà, on va enchaîner ces deux spectacles. Ça va faire un peu une demi-heure, un peu plus voilà, de demi-heure, voilà. Entr'acte et... Et encore le deuxième spectacle. Pour répondre à la question, moi par exemple dans Pensée fragile, je viens d'intégrer, on est en pleine création, recherche, je vais interpréter un personnage qui est un petit peu en dehors de toute la pièce. C'est un personnage atypique qui est proche de l'animal, je vais avoir un masque. Et il y a une autre séquence où on travaille, où je travaille le double de Fabio. Du coup, c'est un travail complètement différent. Ouais, avec Transit, c'est un personnage précis qui a un travail et tout ça. Alors que l'autre, c'est un personnage complètement fantasque, fantaisiste. Alors, pour nos téléspectateurs colombiens, parce qu'ils sont nombreux à nous appeler chaque semaine pour nous féliciter de la qualité de cette émission, ça sera donc du 1er au 17 juillet. Mais pour nous, niçois et gens de la région, on peut vous voir aussi quand même, oui. S'il vous plaît. Quand, comment, quelles sont les modalités? Parce que moi, je ne pourrais pas être en Colombie, j'ai piscine ce jour-là, donc ça va être compliqué. Mais comment on peut faire pour venir voir le spectacle? Je crois que vos répétitions ne sont pas tout à fait fermées non plus au public, on peut venir vous voir. Oui, et après on a deux dates au Francis Gag, c'est le 29 et 30 septembre, c'est ça. Et on a une date aussi le 29 octobre au Calbon Voyage à la Black Box. La Black Box, rien que ça. Ouais. c'est un endroit très sympa, ça. Oui, oui. Et alors, vous répétez, je crois que vous répétez, en plus, ça dure assez longtemps, vos répétitions, c'est par bloc de 3-4 heures. Vous répétez où et est-ce que les gens peuvent venir un peu vous voir de temps en temps? Oui. Bon, pas à 10 000, hein, mais est-ce que vos répétitions sont ouvertes et où surtout? Alors, on répète principalement au Hublot, à côté des ateliers Spada, ouais. Et on répète aussi au Calbon Voyage. On rappelle le lundi au Hublot, dans la salle de danse, le mardi au Calbon Voyage, de 11h à 14h, le mardi. Et le week-end, en fait, on est dans la salle de danse du Hublot, ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est pour le public, en tout cas local, qui peut venir vous voir et vous supporter, donc, juste avant cette mini-tournée, on peut dire, en Australie, bah, pas du tout, c'est en Colombie, c'est l'autre côté. Merci, messieurs, on va accueillir vos deux collègues. Alors, vous avez vu que j'ai pas prononcé encore les noms, parce que j'ai peur de me planter. Donc, pendant le reportage, je vais réviser la prononciation pour pouvoir bien les présenter. Merci d'accord. Beaucoup, merci, et puis, bah, écoutez, bonne tournée. Merci. Allez, merci, on regarde le magazine. Qui est consacré au jet ski, un autre type de sensation forte, et on se retrouve en deuxième partie. Retour sur le plateau dont on va vous réveiller, qui s'internationalise, vous voyez que je parle pas bien français, qui s'internationalise de plus en plus, puisque nous accueillons donc les deux protagonistes donc de Pensée fragile, qui est donc la deuxième partie du spectacle proposé par la compagnie Art Attack, qui sera donc jouée en Colombie. Alors c'est là où j'ai très peur, puisqu'il va falloir que je donne les noms, et j'ai déjà pas l'accent, et j'ai peur de me tromper. Alors Dasha Lavrenikov, vous êtes la chorégraphe, ça va, je me suis pas trompé, et en face de vous, Irénée Di Chiaro. Alors j'ai pas mis l'accent, hein, je suis
suis désolé. Okay, non, ça allez-y, va, ça dites-nous comme il aurait fallu le dire. Irène Di Chiaro. Voilà, je suis incapable de le faire. Donc vous, votre domaine, c'est Pensée Fragile. Ouais. On va faire sur le même principe qu'en première partie. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter le spectacle avant qu'on envoie un petit extrait? Oui. Pensée Fragile, oui, c'est inspiré par un roman qui s'appelle Le Maître et Marguerite, et aussi de la poésie de mon père. Et ça traite, le thème, c'est sur la répression des expressions artistiques, créatives, pendant le régime soviétique, et aussi actuellement, qu'on voit partout dans le monde. Donc ça traite de l'histoire et aussi de le temps actuel. Voilà, donc effectivement, c'est ce qu'on nous a dit en première partie, c'est un thème un petit peu plus grave, dans le bon sens du terme, avec un petit peu moins de légèreté. On va regarder un spectacle, un extrait du spectacle, et on se retrouve juste après. Voilà, donc c'est ce que ça donne sur scène. Donc évidemment, ça c'est pour les Colombiens qui le verront, mais également au théâtre Francis Gag au mois de septembre. Donc maintenant, je me tourne vers vous, Irène. Oui, mais ça va, Irène. Irène, je vous appelle pas, Irène, okay. Alors ça va. Donc la difficulté que vous avez eue donc, quand vous avez travaillé sur ce spectacle, c'était quoi? Qu'est-ce qui a fait que ce spectacle vous l'êtes déjà approprié et que vous êtes rentré dedans? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très personnel pour Dasha, mais vous, il a fallu quand même vous approprier un peu cette histoire. Oui, mais c'était pas si difficile parce qu'en fait, Dasha, elle est super. Donc elle aime bien travailler en équipe. Elle a nous expliqué cette idée qu'elle avait. C'était très, très personnel, mais elle a nous permis de bien rentrer dedans le truc. Et en fait, moi, je suis Marguerite. Elle représente mon double. C'est un petit peu l'esprit de Marguerite, si on veut. Et Fabio, c'est le maître. Et Rudolphe, comme il a expliqué tout à l'heure, c'est un personnage un petit peu différent. Et la seule chose intéressante de ces spectacles-là, c'est que c'est pas d'une seule direction. Ça touche plusieurs niveaux de thématiques. Il y a la thématique sociopolitique, de la répression artistique. Il y a aussi une thématique de le pouvoir de l'amour, la puissance de l'amour, comme on peut aider dans des moments difficiles de la vie. Et aussi, c'est une parabole du pouvoir. Donc, il y a aussi un côté beaucoup plus allégorique, parodique aussi, avec le personnage de Rudolphe. Donc, c'est un mélange de choses. C'est hyper intéressant. Donc, quand ça arrive pendant le reportage, et qu'elle me dit « je parle pas bien français comme les deux d'avant ». Ouais, d'accord, ok. Je retiens pour la prochaine fois. Alors, c'est vrai que ça doit vous faire plaisir quand même de voir que une personne qui travaille sur des textes qui sont aussi des textes de famille, qui sont donc pour vous très très importants et qui sont source d'émotion, de voir qu'elle en parle comme ça et qu'elle s'investit comme ça, c'est déjà une première réussite pour vous. Oui, oui, c'était important d'avoir des artistes qui voulaient entrer dedans des travaux et des thèmes, parce que c'est quelque chose que c'est assez particulier comme un thème. Et donc, il faut avoir des personnes qui veulent aussi collaborer, qui veut travailler dans une façon qu'il amène sa propre vision sur ça. Parce que ça m'intéresse beaucoup. C'est pas seulement un thème qu'il y a une recherche sur le thème, sur la physique, physicalité qu'on peut montrer. Ouais. Alors, c'est vrai que ça parle aussi d'une période qu'on n'a peut-être pas connue, nous, puisqu'on est quand même relativement jeune, mais c'est vrai que sous la période stalinienne en URSS, c'était quand même très difficile de s'exprimer, ou en tout cas de faire l'art et de construire l'art qu'on voulait. Ouais.
votre famille, visiblement, votre papa en a souffert. Ouais. Donc c'est une thérapie aussi pour lui. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'interpréter finalement son histoire et de la porter à des générations qui maintenant ont peut-être plus vraiment idée de ce que c'était à l'époque, même s'il y a d'autres formes de censure aujourd'hui, mais qui ne connaissent pas vraiment le stalinisme. Ouais. C'est assez intéressant parce que je pense pour mon père, c'est une expérience forte. Il le voit et pour la première fois, parce que c'était pas des poésies qu'il avait publiées, c'était des poésies qu'il écrit pour soi-même et qu'il a cachées pendant le voyage en train de venir aux États-Unis. Il n'aurait pas pu, de toute façon, les publier en URSS. Il aurait eu des problèmes. Mais après, il n'avait pas envie non plus de les publier. Et donc, c'est une façon que sa poésie et ces mots-là peut sortir un peu, mais dans une façon un peu alternative sur la scène. Donc ça marche pour lui et pour moi. C'est parce que j'ai aussi une mémoire. C'est intéressant avec le corps parce que c'est quelque chose. Il y a une connaissance de notre histoire qui c'est assez intéressant. Donc quand tu commences de faire des recherches avec le corps, tu retrouves presque des mémoires sur l'histoire, sur ton histoire, sur ouais. Alors voilà, c'est aussi donc pour vous, pas un exutoire, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, vous rappelle la famille. Est-ce que vous, le côté politique de cette période, ça vous a séduit ou c'est autre chose? Ouais, je les connaissais déjà, mais en fait, je crois que c'est une thématique plutôt actuelle. On peut l'appliquer dans n'importe quelle circonstance. On voit, je ne veux pas dire chez moi en Italie, parce que c'est vrai, il ne faut pas le dire, mais ok. Mais aussi en Colombie, dans des autres pays du monde, c'est pareil la situation. J'allais y venir justement à la Colombie. C'est ça, on peut l'appliquer, c'est une thématique vraiment actuelle. Donc il faut pas c'est universel, on peut dire ça. Ça concerne pas seulement le stalinisme, c'est tous les totalitarismes, c'est tous les régimes qui ont fait ça. Donc n'importe quelle nation a eu ses parcours, ces moments-là historiques. Donc c'est comme toucher un petit peu toutes les cultures. En fait, on a toutes les différentes nationalités. Avec cette C'était pas difficile de se retrouver, même si on venait de la Colombie, de la Russie, de la France et de l'Italie. Et c'est vrai que c'est aussi un moyen original et peut-être plus divertissant dans le sens pour rompre la monotonie que de lire un livre. Alors, Michel Serra, je sais que vous regardez cette émission, je ne critique pas les livres, mais c'est vrai que de connaître comme ça le totalitarisme, toutes ces choses-là via un spectacle vivant, c'est aussi quelque chose de différent. Alors, la Colombie, justement, c'est un pays qui a ses problèmes aussi, qu'on connaît tous. Est-ce que vous avez peur déjà de jouer ce spectacle là-bas? On ne sait jamais. Et est-ce que vous avez un message aussi à leur faire passer aux Colombiens? Oui, je ne pense pas. J'ai beaucoup de peur maintenant. Je pense que ça va être différent quand on arrive, quand on voit la réception des spectacles. Donc ça va venir. Mais en réflexion, c'est sûr qu'on voulait passer le message partout. À Colombie, c'est un bon moment. C'est aussi, je pense, un bon lieu pour faire ça. Mais c'est pas particulier à ça. Mais on veut aussi faire un peu un dialogue avec les Colombiens. Peut-être avoir, après le spectacle, une conversation pour savoir. Effectivement, ça c'est aussi l'intérêt pour vous d'échanger sur la perception de la pièce. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. C'est déjà la fin. Alors, je vais donner rapidement quand même un mail. Alors, je l'avais là. Voilà, c'est http://art-attaque.blogforever.com. Donc, ça, c'est pour avoir toutes les informations donc, sur la compagnie. Peut-être pas donc, les représentations en Colombie, parce que je m'étonnerais que vous y alliez spécialement pour ça. Mais qui sait, peut-être qu'au détour d'un voyage. Et puis, vous avez bien entendu les dates qui seront donné à Nice. Merci beaucoup d'être venu et bonne chance pour ce voyage qui s'annonce. Merci. On se retrouve nous juste après le jingle, bien entendu, pour terminer l'émission avec Sabrina.